Salut la gang! Semaine 60, week 60! Oh my god! Hello everyone! Donc, cette semaine, en fait, notre semaine est vraiment plus axée sur la plage. On se sent quasiment comme en vacances dans nos vacances, finalement. Je pense que c'est une des premières fois qu'on se sent comme ça. Donc, les images que vous allez voir, c'est vraiment plus à la découverte des plages. So, this week is most about... It's like a vacancy in the vacancy. So, we explore beach, many beach. A lot of beach. And we just be in peace and enjoy the beautiful weather because it's so hot this week. So, we just try to find many beach, free beach too. Free parking to go at the beach, so it's very important for us. Donc cette semaine, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'être heureux dans le moment, de relaxer, de pas trop courir non plus après le temps et d'avancer trop vite parce qu'on est quand même pendant la période des fêtes. Donc et on arrive quand même dans la section qui est probablement le plus populeux de la Floride, donc on approche Miami, Fort Lauderdale et tout ça, donc c'est des endroits qui a vraiment beaucoup de monde normalement. Alors, étant donné qu'on est pendant la période de Noël, on veut vraiment prendre le temps de ralentir et de vraiment bien découvrir les plages, et on s'est donné comme mission de trouver des plages gratuites. Les stationnements gratuits, pardon. Les plages sont toujours gratuites, mais les stationnements, plus on avance vers le sud de la Floride, plus ça semble être compliqué. Donc, c'était notre défi cette semaine de trouver des plages gratuites. Donc, ce que vous voyez, aucun stationnement n'a été payé pour ces plages-là. On est allé visiter aussi un jardin parmi notre passe des jardins qu'on fait. Donc, we go visiting another garden this week. So, we... What is the name? Do you remember? It's in West Palm Beach, but the name, I'm gonna write it. It's amazing. We saw, banana. We saw banana, we saw many fish, we saw a beautiful nature, but we saw two, les iguanes. Iguana. Iguana. Iguina. Oh, not sure. Iguin. Eh, bye-bye. So, on a vu cette semaine aussi, on est allé voir un beau jardin et dans le jardin, on a vu beaucoup de poissons. On a vu beaucoup d'arbres, de fleurs différentes. On a eu la chance de voir des grosses iguanes aussi. On commence à en voir, donc c'est vraiment des grosses, pas des petites. Vraiment un beau moment. Ça fait partie de notre passe des jardins qu'on s'est pris il y a quelques semaines. Donc, ça fait partie de notre abonnement. Donc, c'est vraiment le fun de découvrir ces endroits-là. So we are relaxed this week, yep. I think. So we just enjoy the moment. Take our time. Yeah, take many time to relax, to do it. What is very important for us. So we make good food. We make all day, we make the workout. Yep. And all day we just take a moment for us to go to the beach or to see a garden or just to make something it's for us though, so to be, oh boy, am I English tonight? Yes sir. Oui. Did you want to explain what I want to say? It's dis-le en français. On veut juste comme prendre le temps pour nous faire des choses qu'on aime. Just take some time for us. So for us and do it what we love. So it's important for us to see animals, to see nature, to discover a place. They are free and they are awesome to see. So that's what is important this week to do it. Donc ça c'est un camping qu'on est allé pour vidanger. Super belle place. C'était vraiment beau l'entrée tout ça. On a vu des. C'était gros. Oui, c'était très gros et on a vu en fait plein de belles petites choses sur le camping et on a rencontré aussi une de nos followers qu'on salue. So the image what you saw when we pass, it's just a camping. We go make the dump station and it's so amazing place to go. It's a beautiful place. So and at the moment the image you saw, no, you see. You see. Sorry, my English is. Oof. We see, don't tell me, eh? No. Just say, go Vicky speaking. So the image we see, it's a
We make a many ride of with the car this week. Ouais, on a fait beaucoup de millages avec l'auto cette semaine. So we see many big house. We see a boat. We saw big house, and we saw. It, you know, it's so hard to see many expensive house, and few minutes after, just see normal life and. Ouais, c'est le. C'est vraiment difficile en fait de passer. Mon chum, il est marqué en anglais. C'est fou là, ça c'est une maison avec un terrain de tennis en avant puis la piscine en arrière. C'est juste, ça a juste pas de sens. Ouais. De puis, voir. Un petit quartier résidentiel de l'autre côté du pont, bien tranquille, bien normal. En fait, c'est vraiment la coupure est coupée là, au couteau. Là. Vous avez des maisons de milliards de dollars, de millions de dollars en fait, et la seconde après, pouf, on tombe. Ok, dans une classe très moyenne, puis pouf, la seconde après, on tombe dans un quartier qui est quasiment pauvre. Donc, c'est vraiment, c'est comme ça à plusieurs reprises en Floride. Donc, c'est très troublant, en fait, pour nous de passer d'un à l'autre. This place is the place. So, les images que vous voyez en ce moment, c'est vraiment, en fait, c'est notre coup de cœur de la semaine. Ouais. It's the better place we find, and it's totally free. C'était une des. C'est vraiment tout gratuit. On s'est stationné gratuitement. On était à 7 minutes de l'autobus. C'était juste incroyable. So, why is just incredible like that? Because everything we love is at this place. So, you have boat, you have fishermen, you have a beach, but you have to a little place. It's like a lake. If you swim in a lake, you have a picnic place, you have a playground place. So, and all thing is at the same place. Or 5 minute walking, maybe. So the guys are so happy to be there. Donc ce que vous voyez là, c'est notre découverte, notre coup de cœur de la semaine, et il y a tout ce qu'on aime en fait. C'est une place qui nous ressemble beaucoup là. Il y avait des bateaux. Ça, ce que vous voyez là, le gros bateau, c'est très ouais. Impressionnant. C'est des petits bateaux. Des petits bateaux. C'est parce que les petits bateaux, ils se promènent à peu près avec des 3-4 moteurs de 450 forces à peu près en moyenne. Là, tu sais, c'est très normal en fait de croiser ça. Donc à cet endroit-là, il y avait des bateaux, il y avait des pêcheurs, il y avait. Ça, c'est pour le barbecue, des. Ah, oui, un âge. Puis c'est parce que tu peux te baigner autant dans l'intercostal. Qui est comme plus un. Style un lac, là. Ça avait l'air comme d'une baie d'un lac, là, un peu. Puis c'est super. S'il y a trop de vagues sur la mer, de l'autre côté de la rue, ben, tu vas te baigner là. C'est parfait. Et de l'autre côté, on a trouvé notre plage de rêve. En fait, on a trouvé le paradis. On ne vous l'a pas dit cette semaine, mais. On a trouvé le paradis. We find the paradise. So it's a big tub. The you can make a snorkeling, and we saw many beautiful fish. The guys just one day, the kids just swimming like 5 hours maybe. Right. It's amazing. It's just relaxed, perfect place to swim. In like a pool, but it's a beach place. Ouais. And you have the beaches around. So, it's amazing. Ce que vous voyez là, les images, c'était juste incroyable. On a vraiment l'impression qu'on a trouvé le paradis. C'était comme si on se baignait dans une très grosse piscine, mais c'était la mer, c'était la plage, c'était un gros trou qui était fait par un pompeur de sable, en fait, là, une machine. Ouais, c'est comme une pompe pour le sable. Qui, quand ça vient trop plein, ils partent la pompe, ça ramasse le sable, puis ça l'envoie sur la plage de l'autre côté. Et comme ça vous pouvez, laisse un gros trou, là, c'est à peu près 10-12 pieds de profond. Mais c'est incroyable parce que là, dans le fond, à marée basse, ben, là, les enfants capotent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est super le fun, c'est chaud. Puis à marée haute, ben, là, ça fait super profond, mais ils savent qu'il n'y a rien en dessous vraiment, à part quelques petits poissons. Ouais. Donc, ils ont vraiment trouvé. Écoutez, c'est comme si on s'était baigné dans une piscine. Donc, c'était vraiment. Puis la couleur de l'eau est tellement claire. C'était, pour vrai, là, je pense que jusqu'à présent, c'est la plus belle plage qu'on a fait. En tout cas, pour nous. Elle est dans le top 100, c'est sûr. Ah, c'est con. Elle est vraiment, vraiment, pour vrai, c'est notre plus belle place. Les enfants se sont tellement amusés à faire de la plongée en apnée. C'est, ben, c'est parce que t'as incroyable. Plusieurs options. Tu sais, si t'as des enfants vraiment jeunes, mais tu peux aller dans l'intercostal. S'ils sont un petit peu plus vieux, puis la mer brasse, ben, ils peuvent aller dans une petite piscine, c'est peut-être tranquille. Peut-être expliquer l'intercostal, qu'est-ce que c'est. En fait, ouais, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous avez l'océan, et là, vous avez une bande de terre, et vous avez comme
une partie d'eau, un peu comme un genre de canal. Ouais. C'est de l'eau salée, mais qui est coupée par une bande de terre. Donc, ça... Il n'y a jamais de vagues. C'est ça, il y a jamais... Oui, beaucoup, par les bateaux, mais jamais par l'océan. Donc, par le vent qui est sur la mer. Donc, vous avez une partie qui est l'intercostale et après ça, on retombe sur la terre ferme. Donc, et c'est comme ça tout le long, en tout cas, du moins, une grande partie de la côte est, c'est comme ça. So... We just explain in French, it's amazing place. The water is just so clear. They have many fish. The kids just make the snorkeling all day. And they just go swimming, come back. Oh, mommy, I saw one fish like that and with this color or this size. Or they are just explore. They almost pet the fish. Yeah, and it's amazing. I have to make the traduction for the pets because in French is not the same thing. Ouais, pets, ça veut dire flatter. Yeah, but in English, in French, when we said pet in French and in English, like fart. Yeah. Oh my god. Okay, don't worry, be happy. Everything is fine. So, it's the best place. You have to go at this beach. You have to make the experience of this place. It's just so amazing. Never I went in the beach and swim like that. I swim 2 hours, I think. Je come back tout ratatiné. Oh my god. I'm not sure my English friends are happy to this video. But you know, we try, we do the best. And we love you, everyone. So just be patient. Not passion, but passion. Yeah. Patient. So you have to go and just enjoy the image we see at the moment. It's just very, very a beautiful place. You have to go. C'est vraiment une place incroyable. Vous devez aller faire cette plage-là si vous venez en Floride. C'était un moment incroyable et c'est sur plusieurs jours qu'on y est allé. T'as même fait des bonhommes de neige. Ah, j'ai fait des bonhommes de neige. Pas des bonhommes, mais des anges dans l'eau. Des anges dans l'eau. Mais pour vrai, aller à cet endroit-là, si jamais vous passez par la Floride, vous devez y aller. C'est vraiment incroyable, c'est beau. Ça, c'est Ali qui se promenait avec la caméra. Il est dans 10 pieds d'eau à peu près. On a aussi un petit moment cette semaine où le nomadisme nous ramène des fois le cœur brisé. C'est-à-dire que c'est la fête de notre petite nièce. Donc, on a fait notre appel et on a célébré d'une autre façon. So, it's the birthday of the little one. This the kids to my sister. So, we make the birthday online. And we meet a new friend on the road. So, it's Justine and Clément. You can follow him if you want on YouTube too. It's amazing people. So, ceux que vous venez de voir, c'est nos nouveaux amis en fait qu'on s'est fait sur la route. Donc, Justine et Clément. Des gens incroyables. Leur page aussi. Leur page YouTube. Et sur ce, on vous souhaite une belle année. Est-ce que je l'ai dit en français qu'on avait célébré notre petite nièce? Je sais plus. Ouais. En tout cas, je vous le répète. Voilà, on a fêté notre petite nièce en ligne. Sur ce, on vous souhaite une belle année. On vous souhaite d'aller au bout de vos rêves et de vous amuser, de voyager, de vous ouvrir aux autres et d'avoir plein de plaisir. Happy New Year! Ciao! Bye. Quoi, je t'ai dit? Ok, ça va, Raphaël? Qu'est-ce que tu disais? Tu t'as dit une fleur de bonne année. Yeah. Moi, t'as fait ça. Les gars, je vais faire des trous. Salut!